Questo mezzogiorno dell'attualità, primo giorno di confinamento e pur l'attività non pianta mica completamente. I servizi pubblici e certi commerci sono aperti, gente vanno a lavorare. Saremo in diretta in Caruglio, in Aiaccio, per vedere come la è passata stamattina. Parleremo di questa bestighera maior in un paese d'antisanti dopo la scoperta di 6 casi positivi a Covid. La settimana scorsa, sotto i dintorni, un laboratorio itinerante è stato installato in una piazza di Aiaccio. Saluto a tutti, benvenuti in questo Corsica Prima. Principiamo in questa informazione. Una donna è stata ritrovata morta in una casa in Eguale d'Aligiani a Salma ed era piatta in un appiccio, non sta proprietà. Si tratteria di una litiga familiare, il suo compagno ferito da balle a Mastugadodia ed è curato all'ospedale di Nizza, era provato a Tombassi. La sezione di ricerca è incaricata di inchiesta. Non è sul soggetto un articolo da ridurre non a internet di fatto da Louise Belayev. A Bigia, dei didoli a Corsica come l'altra regione di Francia si è svegliata confinata, ma au contrario di marzo scorso, le misure sono meno sévères. Pour en parler, nous vous retrouvons en direct Laura Brunet à Ajaccio, cours Napoléon plus précisément. Alors, comment est l'ambiance sur place ce matin ? Eh bien écoutez, on aurait pu s'attendre à des rues désertes comme lors du premier confinement, mais ce n'est pas vraiment le cas. Alors certes, c'est un petit peu plus calme que d'habitude, mais il y a quand même du monde. Ce qui frappe en fait et qui nous rappelle que nous sommes en confinement, ce sont surtout les devantures des commerces qui, elles, sont fermées. Comme vous pouvez le voir par exemple juste derrière moi, on a d'ailleurs croisé pas mal de commerçants qui nous ont confié être en train de s'organiser pour plier boutique. Mais à côté de ça, il y a vraiment les autres qui se sont presque habitués finalement à l'attestation et qui sont là donc pour une heure, qui se baladent, qui vont au marché, qui promettent leurs chiens. On sent qu'il y a vraiment en fait un allègement par rapport au premier confinement de printemps. Les gens sont presque résignés, mais finalement pas très inquiets. Ils nous ont confié que certes la vie sociale en fait allait leur manquer, mais la vie elle continue. Je vous propose d'écouter quelques passants rencontrés ce matin. Je trouve qu'on sait à quoi s'attendre, donc du coup, en plus ils ont allégé un petit peu les règles par rapport au premier confinement, donc bah, voilà, hein, s'il faut ça pour possiblement fêter Noël en famille, eh ben, on va faire comme ça, quoi. On est déjà en vacances et on va repartir ce soir avec Corsica Ferry, on profite des instants de liberté parce qu'on sait qu'à partir de la semaine prochaine, ça va être compliqué. Voilà. Ça va être plus compliqué, on va dire. Donc bon, bah, on va faire avec, hein. De toute façon on n'a pas le choix. Il faut que ça continue. Voilà. Bon, c'est l'état d'esprit de la plupart des gens, j'imagine quand même, même si quelques-uns râlent, voilà, on n'a pas le choix et puis il faut avancer. Juste, il faut avaler ce sentiment de non-liberté, quoi, qu'on a perdu un peu de liberté, ça c'est le plus dur, mais bon, il faut passer par là, donc on y passera. Je rappelle donc que s'il est désormais autorisé de sortir, il faudra bien sûr être muni d'une attestation qui est devenue obligatoire. Absolument, merci Laura, merci également à Stéphane Agostini qui vous accompagnait derrière la caméra. E riapriamo, il ministro ha dato di più informazione, non da ciò che si può fare o mica va durante questo periodo. Grégor Alcalay nous en détaille les principales mesures. Le confinement est entré en vigueur à minuit et hier, le gouvernement en a précisé les modalités. Il est autorisé de sortir de chez soi pour aller au travail lorsque le télétravail qui devient la règle est impossible. Ainsi, les usines, bâtiments et travaux publics restent ouverts. Il est possible d'aller faire ses courses, de se rendre à un rendez-vous médical, d'assister les personnes vulnérables et de sortir prendre l'air pendant une heure à 1 km maximum autour du domicile. Des autorisations supplémentaires sont prévues par rapport au confinement de mars. Pour accompagner un enfant à l'école ou aller le chercher, pour se rendre dans un service public, ou chez un opérateur assurant une mission de service public, la CAF, l'assurance maladie, Pôle emploi. Les écoles, collèges et lycées restent donc ouverts, pas les universités. Ce qui change aussi, les parcs et jardins et les plages sont accessibles, tout comme les cimetières et les lieux de culte. Les cérémonies religieuses sont en revanche interdites. Les mariages sont limités à 6 personnes, les enterrements à 30. Et contrairement au premier confinement, les visites dans les EHPAD sont autorisées. Pour tous ces déplacements, il faudra remplir une attestation. Vous pourrez également utiliser 2 attestations permanentes pour les déplacements entre votre domicile et votre lieu de travail et pour accompagner et aller chercher vos enfants à l'école. Une tolérance pour le retour des vacances de la Toussaint sera appliquée jusqu'à ce week-end. La montesa scuola Ribiera l'uni u collettivo di liceali corsi si impanserisce di queste condizioni sanitarie. Aege non è un comunicato, si domandano come va per far rispettare queste misure e chiamano l'attori ad unirsi per spargere meglio l'informazione. Gli abitanti d'Antisanti aspettano su dopo mezzogiorno per conoscere i risultati dell'analisi fatta ieri. Una bicicletta tamanta è stata messa in ballo nella piazza di Aiege, un'opération mise en place après la découverte de 6 cas positifs à la Covid la semaine dernière dans cette petite commune de montagne. Et vous allez le voir, chacun y a mis du sien pour organiser cette campagne de dépistage. Le reportage d'Hermine Costa et Audrey Lally. Dans ce village, 160 habitants et un maire sur tous les fronts. Philippe, s'il te plaît, tu me récupères encore des chaises. En seulement 72 heures, Anthony Alessandrini a transformé la place de l'église en véritable centre de dépistage. Nous sommes sur une structure qui est quasiment dentisante et j'en suis fier dans la mesure où nous avons créé de toutes pièces ce que beaucoup n'arrivent pas à faire. Avec les moyens du bord, mets-les là. Il a monté ce petit laboratoire selon un protocole validé par l'Agence régionale de santé. Un sens de circulation et des chaises pour imposer l'espace réglementaire entre les villageois. Voilà, avancez, pas trop près les chaises, pas trop près. Pas trop près les chaises. Dans l'urgence, toutes les forces vives d'Antisanti ont été mobilisées. Mets-le sous le nez, le masque. Voilà. Il a même fallu former les 2 infirmières communales à la procédure de test. Quand on a su qu'il y avait beaucoup de cas, tout de suite, on s'est mis, on a tous été actifs, quoi, par rapport à tout ça. C'était naturel. L'objectif, tester au coronavirus environ 120 personnes, soit 90% de la population totale du village, sur la base du volontariat. On prend quand même la distance, mais si on l'a, il vaut mieux s'en aller dans le maquis. Il vaut mieux s'en aller dans le maquis. Ah oui, dans une cabane, dans le maquis. Je trouve que c'est la meilleure des choses qu'il a pu faire, le maire. Les tests avaient lieu hier matin, une opération qui devrait permettre d'y voir plus clair quant à la situation sanitaire du village. Les résultats seront communiqués cet après-midi. E per parlare di questa situazione sanitaria, rigeremo a François Ravier a settore in diretta di Corsica Ferry. Il brevetto di Ugismonte ci parlerà di nodi, misure di sicurezza pigliate in giro ai luoghi religiosi. Cile Simeoni ne aveva fatto ieri a un mondo dopo l'attentato di Nizza. L'emozione è sempre forte. Rammentiamo che 3 persone sono state tombe ieri in una Iesa. Numerose sono le testimonianze di solidarietà in cui famiglie di queste vittime, a comunità cristiane che sappono a celebrare i santi di come San Chela di sicuro. Il rebongo di sta assente 2 cristiani sarà dopo a Aubrey de Bocchetchamp. C'est une peine immense, bien sûr, puisqu'elle a touché le cœur d'une église, elle a touché des hommes et des femmes qui étaient venus prier et donc demander quelque chose à Dieu, et sûrement pas la mort. Et, mais je crois qu'il faut garder à travers cela l'espérance, hein. Et l'espoir, le mot religion, ça veut dire relier, relier les hommes entre eux, relier les hommes à Dieu. Eh bien, je crois qu'il est important aujourd'hui d'avoir une main tendue vers tout cela. A tutte queste cose si crase che la casa, i parenti soprattutto, la famiglia, tutto il mondo insieme, ma come va? In Corsica vabbè, fino a qua non c'è mai stato nulla. Allora, speriamo che non ci fosse mai nulla. Qui la popolazione vive con i musulmani senza problemi, senza veramente, enfin, speriamo che non continui così, per noi, per i nostri figlioli e per i nostri figliolini. In giustizia, Eric Coppolani sarà giudicato d'orna in uido dell'inchiesta nanta l'assassinio di Antoine Nivaggioni. Il suo giudicamento è stato sciappato, l'uomo è stato giudicato 2 volte per gli stessi fatti. Spiegazione in Custela Rossi. Ci sarà dunque un terzo processo in cartolare Nivaggioni, un nuovo ribombo in un cartolare giudiziario che dura di poi 10 anni. Didia condannata a 30 anni di prigione per l'assassinio di Antoine Nivaggioni, il 18 ottobre del 2010 in Naiaccio. Eric Coppolani aveva preso 25 anni nel 2019, stavolta in appello. Ed è precisamente questa decisione che è stata annullata dalla più alta giurisdizione di Francia, la Corte di Cassazione. In causa un punto di diritto assai tecnico. Qualche mese prima di settembre, Antoine Nivaggioni era di già stato preso in mira. A Girse di Marseille, in carica dell'affare in Leago rende banditismo, aveva allora aggiunto i due cartolari in una stessa procedura. Ma la Corte di Cassazione stima che Enrico Coppolani un po' mica esse giudicato 2 volte per gli stessi fatti. La decisione sulla condannazione di 25 anni resa da Corte d'Appello d'Aix-en-Provence è dunque rotta. Enrico Coppolani sta tuttavia incarcerato, aspettando un nuovo processo che a data deve essere fissata. Non smentirà succederà stasera l'emissione di una relazione tratterà degli scompianti di imporali che si moltiplicheranno. L'abbiamo visto poco fa in Aula di Arroyo, a Corsica e tocca anche la dai piani. Stefano Sciatti e i invitati aspettano a 9:20. Nanto a Vieste, l'Indiocabalò a Wow Sporting si rassicurerà dopo la sua vittoria contro la Valle Risera 2-0. I turchini ritrovano di nuovo il garbo della classifica del campionato di nazionale, un conto reso in cui Pierre Nanini e Stefano la pera. Eccoci la novata, dopo 4 match senza vittoria i Bastiacci Bonoese e Velige hanno vinto 2-0 in Risera contro la Valle. A principio i Giananta Sabassa e Jong sentano in punta e Risera mettono in fondo le gabbie. E i Dorchini non capiano nulla. Nanta su centro il Cardinale torna a sentire ribia ad una gabbata quasi troppo alta. Pian pianino, di maniera timida, la Valle reagisce, ma Vincenzini è qui ben presente per cacciare l'allo. Lo Sporting continua ed è una stazione costruita di maniera benissima che Vinciur fiasca uso dire. D'Aredo, Sebastian da Silva che ha rimpiazzato Santeri Verido si mette in posizione e dirà ma è troppo mollo, 1-0 per Bastiacci a mezz'ora. La Valle si va gesente e ribia ben, passano i Gino di mettere un ballo in fondo qui. Peccato Berelli che subito Jong che ha fatto un maccione e ridaualo a Da Silva con manca Zogabada. 2-0, l'affare pare già intesa, ma giochiamo da poi un'ora quando Robic dopo una penalità parla troppo e subì un cartolino rosso. Per Roadege e Bastiacci non saranno manco troppo messi in pericolo, meglio Vincent si sbarazza di un difensore e Laval, nanta stazione qui, ma uso dire passa di boga quanto ai gabbie. C'est bien, c'était important parce que les garçons s'investissent beaucoup. Je pense qu'on a vu un bon match de foot. Je suis content qu'on n'ait pas pris de but, ça faisait un petit moment, on a su se montrer costaud même à 10 pendant quasiment 30 minutes. Donc c'est bien, c'est un très très bon résultat. Vittoria 2-0 dunque bei Bastiacci che malgrado quest'occasione e Laval infine i Berti non avranno mai capito. Un match di riverenza che permette ai Dorchini di ritrovare a destra in nazionale dopo 10 scontri giocati. E con l'informazione continuate da internet e rete sociale, a 7:00 intanto in cultura si parlerà di rientrata letteraria, a 7:00 Corsica in cui Andrea Marcani ci troviamo a 8:00 per il nostro notiziale. Buon appetito e a dopo.